Merci d'être là. Merci à tous de participer à ce lancement, au lancement de Climax 2019. Il y a un an, Jair Bolsonaro montait dans les sondages. C'était quelques semaines, quelques jours après qu'il ait pris un coup de couteau. Et je ne dirais pas que c'était suite à ça, mais c'est vrai que son ascension fulgurante hein, à ce moment-là dans les sondages qui annonçait déjà sa victoire quasi certaine nous a interpellés. Il y avait déjà eu Trump qui avait été élu dans des conditions un petit peu similaires où en gros on se disait c'est pas possible, pas des gens comme ça, et puis ça s'est fait. Et puis depuis on s'aperçoit que partout dans les démocraties progresse une montée en puissance des populismes réactionnaires. Le mot fasciste, il est un petit peu il faut l'utiliser avec parcimonie, mais qui frôle avec le fascisme quand même par moment. Et c'est plus qu'inquiétant. Ces populismes réactionnaires se structurent, se rassemblent, s'organisent entre eux. Dans notre pays, le Front National, j'aime bien moi continuer à l'appeler comme ça, au moins on sait de qui on parle, travaille avec ces gens-là, travaille avec Trump, avec Bolsonaro, avec Bannon qui tisse la toile, avec Salvini et bien d'autres encore. Ils s'organisent et ils progressent. Quand on a vu le Brésil verser dans cette obscurité, vers cette obscurité, on s'est dit qu'on avait le devoir d'être aux côtés de ces territoires qui sont en train de subir véritablement de plein fouet la montée en puissance de cette folie que le système néolibéral du capitalisme dérégulé a engendré. Et bien évidemment, le meilleur allié aujourd'hui de ce système fou qui détruit la planète depuis déjà bien longtemps, c'est ces populismes réactionnaires qui donnent encore plus d'élan et de force à cette prédation. Et quand on a décidé donc de dédier le thème de cette année à l'Amazonie ou le déracinement du monde il y a un an, on savait que ce serait important de se mobiliser. On n'imaginait pas que ça irait aussi vite. On n'imaginait pas qu'un an après, il y aurait une actualité si brûlante et si urgente. On n'imaginait pas que Jair Bolsonaro et tous ses sombres copains mettraient leurs menaces à exécution avec autant de rapidité. Oui, aujourd'hui, l'Amazonie brûle. Oui, l'Amazonie, qui est un symbole qu'on apprend à l'école, on nous dit souvent le poumon de la planète, c'est plutôt un des poumons de la planète, avec l'océan. L'Amazonie brûle avec beaucoup de violence autour de ces feux, beaucoup de violence envers les populations autochtones. Mais l'Amazonie ne brûle pas seule. L'Amazonie brûle avec l'Afrique qui brûle. L'Amazonie brûle avec les forêts en Indonésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. L'Amazonie brûle avec les steppes de Sibérie. Et quand l'Amazonie brûle, on voit que le monde brûle. Notre monde occidental, a participé au déracinement depuis déjà très longtemps. Et nous, ici, depuis Bordeaux, nous avons le devoir de nous rappeler que ces inégalités qui sont si violentes, si dévastatrices aujourd'hui, se sont construites sur
le déracinement des populations africaines, organisé par des territoires comme Bordeaux, à l'époque, vers le dit Nouveau Monde, et après avoir largement répandu le sang des Indiens, des Amérindiens en fait, on s'est mis à répandre le sang des populations africaines déracinées, puis esclavagisées. Et c'est cette spoliation, cette barbarie qui a permis au monde occidental de déployer un monde contemporain aujourd'hui qui continue de se développer dans l'inégalité avec toujours une violence et une prédation sans précédent. Cette course folle, c'est elle qui dérègle aujourd'hui le climat, c'est elle qui provoque les effondrements massifs de la biodiversité depuis maintenant trop longtemps, et c'est elle qui, aux côtés des écocides, continue de perpétrer des ethnocides. Donc il était important pour nous de prendre la symbolique de l'Amazonie pour déjà être aux côtés de ceux qui souffrent là-bas, leur dire que nous souhaitons être à leur côté pour tenter de résorber ces violences, de résorber ce fracas qui est en cours, mais pour également se relier à tous ces peuples, à tous ces activistes qui, partout autour de la planète, sont un archipel des consciences. Cet archipel des consciences, il est aujourd'hui trop flottant, trop éparpillé. Et pourtant, nous sommes nombreux, mais nous ne sommes pas suffisamment reliés. Il est urgent de ramifier cet archipel des consciences. Il est urgent, face à l'action de reliance des Bannon, il est urgent de mettre un contre-courant efficace, massif, puissant, d'une société civile qui refuse de continuer ces prédations qui accélèrent. Nous avons la chance, ici à Bordeaux, d'avoir un acteur qui nous parle de ce déracinement historique qui a eu lieu depuis Bordeaux notamment, Carfa Sierra Diallo, qui a fondé Mémoire et Partage, qui a accepté d'être partenaire de cette édition à nos côtés, aux côtés aussi de Nature Rights, une ONG qui défend les droits de la nature. On a travaillé depuis plusieurs mois à l'élaboration de cette édition. Grâce à eux, on a rencontré des activistes, on a rencontré des leaders des populations autochtones des régions vers lesquelles nous sommes allés, au Brésil, en Guyane, mais aussi au Sénégal. Nous avons pu convaincre ces témoins sur le terrain qui essayent d'enrayer l'inéluctable, qui essayent avec toujours enthousiasme, avec courage, avec détermination, à ce que le pire ne soit pas certain. Et si ces sujets sont graves, si ces sujets sont véritablement prégnants et nous prennent à la gorge, aux tripes, il est important quand même de toujours s'émerveiller, de toujours trouver le plaisir et l'espoir d'agir. C'est toujours et encore la détermination qu'on a ici à chaque fois qu'on fait Climax, d'allier à la lucidité, d'allier au réalisme et à l'envie d'agir, l'envie de s'émerveiller, l'envie de développer nos arts, notre culture, notre plaisir à se rassembler et à célébrer la vie. On a bien évidemment aux côtés de ces activistes, aux côtés de ces leaders autochtones, aux côtés de ces penseurs, de nombreux artistes qui, comme chaque année, nous ont rejoints et qui vont, tout au long de ces,
tout au long de ces 4 jours, nous donner la capacité à toujours croire en l'émerveillement du monde, en l'émerveillement vers la nature, en l'émerveillement envers notre humanité qui doit toujours rester au cœur de nos préoccupations pour pouvoir agir. Parce que si nous faisons que nous alerter et nous... si on n'est que pitoyablement effaré, eh bien, le fatalisme nous gagne et ensuite nous sommes bloqués pour agir. C'est véritablement l'espoir et l'enthousiasme collectif qui nous donne le courage d'agir. Et on a besoin véritablement de trouver à chaque instant ce courage à agir. Le fait que vous soyez là, c'est comme ça, c'est ensemble qu'on trouve la force d'agir. C'est jamais seul dans son coin en étant effaré parce qu'on verse dans le fatalisme. Donc merci d'être là. Merci à vous de faire Climax. Merci à vous de démontrer aux invités qui viennent de loin cette année, qui viennent du Brésil, qui viennent de Guyane, qui viennent de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui viennent du Sénégal, de Casamance. Merci de leur montrer que vous êtes prêts à être à leur côté, à agir quotidiennement, déjà dans nos actes quotidiens, dans nos actes d'achat. Parce que c'est d'abord là qu'on peut changer les choses. Nous sommes le changement que nous voulons voir en ce monde. Je crois que c'est Gandhi ou quelqu'un de cette éminence-là qui l'a dit. Eh bien, à nous de démontrer que c'est possible. Donc, pour pouvoir lancer et les réflexions et les festivités, je tiens à remercier tous nos partenaires. Je tiens à remercier tout particulièrement le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine qui nous permet de réaliser non seulement pendant cette écomobilisation chaque année, mais aussi tout au long de l'année avec des conférences dans les territoires, ces rencontres, ces débats, ces conférences. Nicolas Thierry, le vice-président de la région Nouvelle-Aquitaine, est là. Nicolas, si tu veux bien me rejoindre, est là pour vous dire pourquoi la région est à nos côtés depuis longtemps, y compris à Darwin. Arnaud Leroy également, président de l'ADEME, qui nous accompagne aussi depuis longtemps. Arnaud, si tu veux bien nous rejoindre. Et si vous voulez bien nous dire pourquoi vous souhaitez toujours être à nos côtés dans ces missions, dans ces combats, et pourquoi vous avez souhaité être présent avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Philippe. Bonjour à toutes et tous. En effet, la région est un fidèle partenaire de Climax, mais pas que de Climax, de Darwin depuis plus de 10 ans maintenant. Dès l'origine, je me rappelle déjà de notre première rencontre d'ailleurs avec Jean-Marc et toi en 2007 ou 2008. Alors, c'est très important pour la région d'être là, parce que, comme Philippe le disait, Climax permet de donner la parole à des personnalités qui nous obligent à questionner notre rapport au monde. Parce que c'est ça le sujet aujourd'hui. Hier, j'ai eu la chance de passer, grâce à Philippe d'ailleurs, quelques instants avec le cacique Raoni. Et on voit bien que on l'entend pas assez. C'est-à-dire, et on voit bien que quand il a pris la parole hier, tous les gens qui étaient présents dans la salle étaient bousculés. Pourquoi ? Parce que certains responsables politiques aujourd'hui ou économiques vous disent qu'il faudrait s'en remettre à finalement un progrès technologique salvateur. L'enjeu, il est éminemment plus important que ça. L'enjeu, c'est un basculement culturel. C'est quel rapport on entretient avec le monde ? Quel rapport on entretient avec les écosystèmes ? Et aujourd'hui, le chef Raoni, le message qui nous passe, c'est ça. C'est nous dire, attention, vous avez sombré dans une crise de l'excès. C'est ça qu'il nous dit. Et je ne vais pas être très long, mais
il faut quand même aussi dire les choses. C'est que je vois que le CASIC est beaucoup reçu, nationalement, localement, par des responsables politiques. L'écouter, c'est bien, mais l'entendre, ça sera encore mieux. Parce que qu'est-ce qu'il nous demande ? Il nous dit, votre modèle agricole, aujourd'hui, est en train de dévaster la planète. Et je vous assure, moi, je suis un partie des élus, je ne suis pas le seul, mais je fais partie des élus qui se battent pour mettre fin à l'élevage industriel depuis des années. Je vous assure que ça a l'air beaucoup plus facile de l'honorer, a priori, que de voter en cohérence sur les bancs des assemblées. Donc j'espère en tout cas que sa venue va faire... va provoquer quelque chose, grâce à Climax notamment, et il faut résister. Il incarne le chef Raoni, il incarne quelque chose que personne d'autre n'incarne. Il incarne cette résistance qu'il faut mener par rapport à cette vision du monde prédatrice qui est en train d'anéantir la beauté et la diversité du monde. C'est ça qu'il incarne. Et vous savez, la résistance, elle commence ici. Moi, je suis élu d'une région, c'est la première région agricole de France, mais d'Europe, la Nouvelle-Aquitaine, chez nous. La France, elle importe 2 millions de tonnes de soja par an. 60% de ce soja est d'origine brésilienne. Donc c'est très bien de donner, de féliciter le CASIC. Mais ça sera encore mieux qu'on puisse se sevrer du soja qui est en train de détruire l'Amazonie. Et on a tout à fait possibilité de le faire. Il faut changer de modèle agricole. Voilà, maintenant, j'espère en tout cas que les choses vont évoluer. On voit cette jeunesse qui est en train de se mobiliser. On en parlera dans les tables rondes. Mais j'ai quand même le sentiment que marché ne va pas suffire. S'indigner non plus, il va falloir s'engager, aller un peu plus loin. Et ça commence en tout cas pour aujourd'hui, mais on va peut-être en parler un peu plus longuement après. En tout cas, merci pour votre attention. Alors, moi, je vais peut-être aussi, si tu me permets, Philippe, un bonjour à toutes et tous, vous indiquer en deux mots ce qu'est l'ADEME, parce que je pense que c'est un peu moins connu que le Conseil régional. On a un peu moins d'autocollants par-ci, par-là. Donc, l'ADEME, c'est l'agence de la République française qui s'occupe de la transition écologique. Et nous, on a voulu être partenaire. On est partenaire depuis très longtemps, y compris de Darwin. On a accompagné certains aspects de la construction de cet écosystème. Et on accompagne Climax depuis un certain temps. Et moi, j'ai voulu être présent aujourd'hui parce que l'ADEME est présente en Guyane et qu'on contribue avec d'autres à essayer de fabriquer un modèle économique aussi basé sur la valorisation de la biodiversité, le maintien des populations autochtones, parce que nous avons aussi en France des populations en Amazonie. Il faut absolument le rappeler, ce qui nous donne un droit de regard sur le débat qu'on a actuellement sur l'avenir de l'Amazonie. Et aussi... pouvoir trouver des solutions et participer, j'ai bien aimé cette référence-là, Philippe, à la prise de conscience, à la prise de conscience comportementale. Donc ça veut dire que oui, on vote, oui, nous sommes citoyens, et malheureusement, nous sommes surtout des consommateurs. Et le consommateur, qu'il choisisse son régime alimentaire, Nicolas vient d'évoquer l'élevage industriel, notre rapport à la nourriture, notre rapport à l'habillement, dont on parle assez peu, mais qui est quand même une industrie très polluante, qui a un impact également sur la déforestation, qui a un impact sur beaucoup d'aspects, pollution des océans. Tout ça, c'est nous, non pas par notre bulletin de vote, mais souvent avec notre carte bleue, qui faisons ou non les tendances. Et nous, l'ADEME, on participe à ce débat-là. On essaie de trouver des solutions, parce qu'il y a un élément très important. Tu évoquais la mobilisation des jeunes, et je pense qu'on a tous une responsabilité collective aussi. C'est quand même d'écrire un futur. Moi, c'est pour ça aussi que je voulais être présent cet après-midi pour la conférence inaugurale. Nous avons un sujet de ne pas désespérer, et c'est vrai que parfois, il faut lutter, mais on a aussi des enfants qu'il faut accompagner, des jeunes à qui il va falloir laisser une planète et construire des solutions. Tout ne viendra pas de la technologie, pour sûr, mais en tout cas, on a quand même des solutions innovantes, technologiques, qui nous permettent de penser qu'on va pouvoir passer la barre, pour ceux qui sont un peu surfeurs, de cette transition écologique qui est devant nous, aussi bien comportementale, aussi bien en tant que consommateur et d'acteur. Nous, on voit beaucoup de liens avec les écoles d'ingénieurs, beaucoup de plus en plus de jeunes qui veulent s'engager dans les métiers
qui ont un sens, si vous me permettez l'expression, notamment dans l'énergie renouvelable, dans tout ce qui est mobilité douce, dans la réparation. Et ça, l'État l'accompagne à travers l'ADEME et des partenariats aussi bien avec Darwin, des structures associatives ou des groupes industriels et des collectivités locales. Donc voilà le sens de la présence de l'ADEME. C'est aussi un témoignage, un, du travail qui est fait par les équipes de l'ADEME en Guyane pour construire un projet alternatif, par exemple, à la mine d'or, parce qu'on voit très bien comment on soudoie les populations locales par rapport, on promet, monts et merveilles, de l'emploi. Et il faut que chacun, à notre échelle aussi, on soit en capacité d'aider ces populations à pouvoir vivre, se maintenir, parfois à l'orée des forêts, pour qu'on puisse avancer. Merci Philippe, en tout cas, de ton mot d'accueil, et ravi que l'ADEME puisse être partenaire. Merci à vous. Je voudrais d'abord m'excuser, même si on y est un peu pour rien et qu'on le subit un peu tout au long de l'année. Vous entendez je sais pas exactement quel est l'outil, la fraiseuse ou qui est en train de nous casser un peu les oreilles et qui est pas très agréable pour notre conférence. C'est le chantier qui a lieu à côté. On avait demandé si pendant juste le temps des conférences, il pouvait y avoir au moins une pause sonore, ce qui n'empêche pas forcément certaines actions sur le chantier. Je ne sais pas si ça va perdurer. Le fait d'en parler va peut-être le faire arrêter. Mais voilà, vous savez qu'on est dans une situation un petit peu complexe. Je tiens à en profiter pour remercier Marc Lafosse est là, il représente les élus municipaux. Je tiens à remercier la nouvelle équipe de Nicolas Florian qui se mobilise en ce moment à nos côtés pour essayer d'enrayer la machine infernale de BM1 sur la caserne O'Neill par rapport à Darwin. On en a un, voilà, c'est le genre de choses qui sont un petit peu complexes, mais si on peut réaliser Climax cette année, c'est parce qu'il y a eu quand même certains élus municipaux qui se sont mobilisés à nos côtés pour rendre possible la manifestation. La préfecture aussi s'est mobilisée à nos côtés pour la rendre possible. Donc c'est suffisamment important pour le signaler. Et puis je râle suffisamment quand ça ne va pas pour pouvoir dire quand ça va bien. Voilà. Est-ce que Carfa est arrivé? Je ne le vois pas. Ah si, il est là. Carfa, est-ce que tu peux me rejoindre? Donc, Carfa Sierra Diallo. Qui a fondé Mémoire et Partage. Vous pouvez l'applaudir parce que son combat depuis plus de 20 ans, son combat ici à Bordeaux, mais aussi en Afrique, parce que le combat n'était pas suffisamment ardu ici. Il s'est rajouté aussi de continuer à le mener dans son pays d'origine, le Sénégal, pour faire vivre la mémoire, pour faire vivre la connaissance de l'histoire du commerce triangulaire et de l'esclavage. J'ai la chance de l'avoir comme ami et j'ai la chance qu'il m'ouvre le savoir, la connaissance sur cet épisode sombre de notre cité, de notre pays. Cette connaissance, elle permet de mieux construire l'avenir. Elle permet véritablement, je crois, de pouvoir faire communauté de destin au-delà des mers, au-delà des océans. Et merci Carfa d'avoir accepté d'être partenaire de l'édition 2019. Et j'aimerais que tu nous dises un mot sur ce qui t'y a poussé et ce que tu penses pouvoir y trouver. Quand la sueur de l'Indien se trouva brusquement tarie sous le soleil, quand la frénésie de l'or draina au marché la dernière goutte de sang indien, de sorte qu'il ne resta plus un seul Indien aux alentours des mines d'or. Alors on se tourna vers le fleuve musculaire de l'Afrique pour assurer la relève du désespoir.
Alors commença la ruée vers l'inépuisable trésorerie de la chair noire. Alors commença la bousculade échevelée dans le rayonnant midi du corps noir et toute la terre de retentir du vacarme des pioches dans l'épaisseur du minerai noir. Il y a de nombreux siècles que dure l'extraction des merveilles de cette race. Ô couche métallique de mon peuple, minerai inépuisable de rosée humaine, combien de pirates ont exploré de leurs armes les profondeurs obscures de ta chair. Combien de flibustiers se sont frayés leur chemin à travers la riche végétation des clartés de ton corps, jonchant tes années de tiges mortes et de flaques de larmes. Peuple dévalisé, peuple de fond en comble retourné comme une terre en labour, peuple défriché pour l'enrichissement des grandes foires du monde, mûris ton grisou dans le secret de ta nuit corporelle, car nul n'osera plus couler des canons et des pièces d'or dans le noir métal de ta colère incrue. C'est un poème de René Depestre. René Depestre, je veux toujours avoir Philippe à côté de moi. Il a tendance, par éducation, par conscience, à laisser beaucoup de place aux autres. Mais nous ne serions pas ici sans toi. Et si tu es loin de moi, et sans eux aussi, bien sûr, mais sans toi aussi. Donc reste près de moi, s'il te plaît. Je suis vraiment très honoré de participer à ce festival Climax. Cela fait 23 ans qu'avec mon président, Patrick Serre, qui est là-bas, aussi d'une grande modestie, nous œuvrons. Tu peux te lever, Patrick. Cela fait plus de 20 ans qu'avec lui, d'autres bénévoles qui sont là et qui seront là tout au long du festival. Ça fait longtemps, peut-être trop longtemps, que nous œuvrons dans cette ville, dans cette région et dans ce pays et dans cette humanité pour nous relier les uns aux autres. Cela fait très longtemps que nous essayons de faire revivre des pulsions de vie face au programme de mort que certains nous promettent. Et participer à ce Climax et voir cette jeunesse qui est ici présente, mais c'est pour nous une grande opportunité, une grande chance, un grand bonheur. Je tenais à te le dire, Philippe. S'il a fallu toutes ces années d'épreuves, puisque notre engagement, nous l'avons voulu sans ambition individuelle, personnelle. Notre engagement, nous l'avons voulu sans tremplin vers quelconque carrière ou enrichissement. Donc nous avons été souvent seuls dans ce chemin, sur ce chemin. Eh bien, c'est une solitude que nous n'avons pas subie, nous l'avons choisie quelque part. Et c'est la solitude, la même solitude que nous retrouvons ici à Climax, que nous retrouvons ici à Darwin, que nous retrouvons parmi toutes ces organisations, toutes ces générosités, toutes ces énergies qui sont venues répondre à l'appel de Darwin. Qui n'est pas que l'appel de Darwin, c'est l'appel de la mémoire en réalité. Ce que nous sommes en train de vivre ici, ce que nous vivrons dans ces 4 jours, cette énergie qui, j'espère, nous portera dans les semaines, les mois et les années à venir. Cette énergie, c'est l'énergie de la mémoire. Aimé Césaire, que beaucoup peut-être d'entre vous connaissez, disait qu'un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. La mémoire de l'humanité, la mémoire de la nature, la mémoire de la terre, ce n'est pas les pleurs, ce n'est pas être victime, c'est puiser dans les forces inépuisables que ces peuples, que cette terre a toujours eues et mobilisées pour faire en sorte que nous soyons là. C'est le sens de notre travail. Et l'Amazonie, le déracinement du monde, c'est dans ce territoire où l'un des plus grands déracinements du monde, l'un des plus grands déracinements de peuples s'est déroulé. C'est au Brésil, où la traite et l'esclavage des Noirs a été le plus massif et le plus durable. Sur les 15 millions d'Africains,
déportés en Amérique. Pas moins de 5 millions sont allés au Brésil. Le Brésil est le dernier pays occidental à abolir l'esclavage en 1888. Le Brésil est la nation occidentale qui compte le plus de Noirs au monde. Dans le monde entier, après le Nigeria, le Brésil est le pays où il y a le plus grand nombre de Noirs. Nous ne le savons pas assez. Pourquoi ne le savons-nous pas assez? Eh bien, nous ne le savons pas assez parce qu'on a voulu masquer cette population noire. On a voulu totalement la faire oublier et la rendre invisible. Et pourtant, elle est là. Et c'est ce lien-là qui nous unit aujourd'hui. C'est pour ça que nous sommes ici, dans ce festival Climax, avec vous. Et soyez remerciés, toutes et tous, qui êtes venus répondre à cet appel. C'est pour montrer que ces combats ne sont pas des combats séparés. Ce n'est pas des combats exclusifs. Il n'y a pas d'exclusion quand on se bat pour l'humanité. Il n'y a pas d'exclusivité quand on se bat pour la nature. Mais la nature, toute seule, elle ne signifie rien sans les hommes. Et les hommes, ces peuples amazoniens, ces peuples africains, ces peuples européens, ce sont des gens qui sont mus également par des inégalités et des injustices héritées de l'histoire coloniale. Donc notre présence ici, c'est pour dire que l'écologie et l'environnement, c'est aussi une écologie et un environnement décolonial, c'est-à-dire qui se fonde également et qui déconstruit les inégalités et les injustices héritées de la construction coloniale du monde. N'oublions pas, n'oublions jamais que la scène première du capitalisme, c'est l'habitation esclavagiste. C'est là où le productivisme, l'extractivisme, le racisme, la racialisation de l'humanité, la sexualisation de l'humanité, c'est là où on l'a mis en exergue d'une façon incroyable. Et c'est cette perspective-là, cette réflexion-là que nous partageons, je crois, avec Philippe. J'étais très ému du voyage que nous avons fait au Sénégal. C'était aux alentours du 27 avril dernier. Nous sommes partis organiser la journée nationale de commémoration de l'abolition de l'esclavage au Sénégal. Ces questions liées à l'esclavage et à la traite des Noirs sont des questions difficiles dans tous les peuples, pas qu'ici, et notamment en Afrique. Et Philippe a pu le vérifier. Eh bien, je peux vous dire que j'étais dans une terre de Noirs. Eh bien, la présence d'un seul blanc m'a permis de me sentir bien moins seul. Et oui, c'est cela la réalité. Nous sommes dans ce climax et dans ce que nous allons vivre pour dépasser la race. Elle n'est que justification d'une volonté d'exploitation, de mépris, de domination. Elle n'est qu'accessoire au fond. Mais nous savons que le diable est souvent dans le détail et que nous devons aussi comprendre ce qui se passe. Donc, être ici à ce festival Climax, être aux côtés de Philippe, être aux côtés de la région Nouvelle-Aquitaine, qui est très présente ici, être aux côtés de toutes les autres organisations de Nature Rights, recevoir notre, j'allais dire mon tonton, Ali Haïdar, l'ancien ministre de l'Environnement du Sénégal, qui nous fait l'honneur de sa participation. C'est un honneur immense de l'avoir ici. Eh bien, vous le voyez, il est loin d'être noir de peau, vous en conviendrez avec moi. Et pourtant, si vous creusez un peu, vous verrez qu'il est même plus noir que moi. Il vit au Sénégal, il vit dans une terre incroyablement belle où ma mère a eu la chance de naître, c'est la Casamance. Et il se bat pour que cette terre ne puisse pas disparaître. Donc c'est un honneur d'être là. Le Climax, ce seront des réflexions, ce seront des débats, des discussions, ce seront des activités pour bien des publics. Mais ce seront aussi des actions concrètes. Et nous vous présenterons demain, ici même, une action concrète que nous souhaitons mettre en place. C'est le projet d'un mémorial contre l'esclavage à Bordeaux. Nous le présenterons ici. Parce que l'esclavage est une réalité contemporaine. Si la traite des Noirs est derrière nous, l'esclavage continue d'exister. Et il nous faut absolument connaître l'esclavage d'hier pour combattre l'esclavage d'aujourd'hui. Et nous autres Bordelais, nous avons une responsabilité particulière vis-à-vis de ça.
Et ce projet, nous le présenterons ici. Et j'espère, avec votre soutien et le soutien des autres partenaires qui sont ici présents, nous arriverons à édifier cette structure d'hospitalité et de conscience ici à Bordeaux, qui se relie à ce qui se passe aujourd'hui et qui nous permettre d'être plus vrais, d'être plus sincères et qui nous permettre d'être plus fraternels. Merci beaucoup. Merci Carfa, merci de ton abnégation dans ce combat, dans cette pédagogie que tu as toujours, dans cette ouverture. Je voudrais vraiment remercier également Nature Rights. Samantha devait être avec nous sur cette séquence. Elle est retenue avec la délégation des peuples autochtones du Xingu, notamment, elle fait avancer aussi les réflexions qu'on a pendant Climax. On a des groupes de travail qui se réunissent pour profiter d'avoir rassemblé toutes ces personnes qui font bouger les choses sur le terrain, qui résistent. Et donc, elle ne peut pas être présente tout de suite avec nous. Et je tiens véritablement à remercier toute l'équipe de Nature Rights qui nous a accompagnés. Je tiens également à féliciter, remercier les équipes de Climax, les équipes de Darwin, les Darwiniens aussi qui sont un petit peu bousculés dans leurs habitudes et leur quotidien pour organiser cet événement. Toutes les équipes ont énormément travaillé, transpiré, sué, peu dormi. Je voudrais que vous leur fassiez vraiment un applaudissement parce qu'ils le méritent beaucoup. Merci à eux. On a l'habitude à Darwin de dire que on fait mieux avec peu, on fait plus avec moins. Mais des fois, c'est fatigant. Donc voilà, je pense que ça leur fera chaud au cœur de savoir que vous voulez remercier de ça. Voilà, l'édition 2019 est lancée et il va y avoir beaucoup d'émotions, il va y avoir beaucoup de plaisir. Merci à tous d'être là. On a maintenant, et je vais prendre mes notes parce que sinon je vais raconter des bêtises et je vais oublier des choses. On va avoir... maintenant, la conférence sur arracher les arbres, déraciner les existences, avec Éric Constantin, directeur régional de l'ONF, Laurent Durieux, géographe, et Nicolas Thierry de la région Nouvelle-Aquitaine qui nous a introduit cette séquence. Et ce sera animé par Nicolas Boursier. Merci à vous tous. Très bonne conférence, très bon débat. Et donc, prenez du plaisir pendant tous ces 4 jours. Ciao, ciao.